Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Jiffy. Ça fait des années que je n'avais pas été chez Jiffy. Et là, du coup, j'ai acheté quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Je me suis dit, autant vous montrer le haul. J'ai quand même un sac. Il n'est pas super rempli, mais il y a quand même pas mal de petites choses bien sympas. Tout d'abord, on a acheté cette table de salon pour 20 balles. Elle est géniale. Voilà. Maintenant, j'ai un peu beaucoup de tables de salon, puisque j'en avais acheté chez Action. Mais pour le prix, franchement, top. Très contente. Alors, je prends comme ça vient dans le sac. Je vous affiche les prix et on y va. On a d'abord pris un jouet pour les chiens. Un petit cochon qui fait le bruit de cochon. Voilà. À chaque fois qu'on va dans les magasins avec chérie, on fait aller les cochons comme ça parce qu'on adore le bruit que ça fait. Ça change des pouettes-pouettes traditionnelles. Donc voilà. Il fera, à mon avis, pas forcément long feu avec Riley parce qu'elle bouffe les trucs en plastique. Enfin, elle adore les trouer et enlever le pouette-pouette en fait. Mais il a l'air quand même assez costaud, donc j'espère que ça tient. Pourquoi je deviens toute floute? Pour quand le petit vient, donc le filleul de mon mari, quand il vient à la maison, on lui a pris une boîte de dinosaures. Donc il y a 36 dinosaures, il y avait aussi les animaux classiques. Alors ils sont tout petits, mais il aime beaucoup les dinosaures. Donc voilà, je me suis dit, il adore aligner les petites choses et tout ça, il sera content. On a pris deux paquets de madeleines au chocolat. Ah, je vais pouvoir en manger. Elles ont l'air vraiment très 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 bonnes. Elles n'étaient pas bien chères et du coup je me suis dit on va les prendre. Il y en a chez Auchan à peu près le même genre. Mais elles sont quand même assez chères chez Auchan, donc on a pris celle-là. Chérie s'est pris deux boîtes de bonbons comme ça, des langues de... Je crois que c'est... Non, c'est des langues de chat, des langues de belle-mère, je ne sais plus. Enfin voilà, il y en a à la fraise et au cola. Je sais pas si... Non, il n'a pas pris les arc-en-ciel là. D'habitude il prend les arc-en-ciel, mais là il a pris les deux là. Il adore ça. Moi j'aimais beaucoup avant, mais avec mon estomac je ne peux définitivement plus en manger. Il s'est pris un coussin comme ça pour la nuque, parce qu'il a tout le temps mal de la nuque en ce moment. Et c'est un mémoire de forme. Vous voyez, il reste un peu en forme, un peu comme ça, c'est pas avec des petites boules à l'intérieur. Voilà, normalement c'est pour le voyage, mais je pense que lui il va peut-être le mettre un peu quand il est dans son fauteuil de bureau ou des trucs comme ça. Ou à la télé. Je sais pas trop pourquoi il l'a pris, mais il l'a pris. Encore et toujours de la bouffe. Il a pris également deux paquets de cookies comme ça, que je n'avais même pas vu. Donc, il y en a au chocolat blanc et au chocolat noir. Je ne sais pas trop, Bano plus chocolat chips. Je ne sais pas trop c'est quoi Bano. Chocolat dippé, je ne sais pas trop ce que c'est. On goûtera. Et moi, j'ai pris les Mister Brownie. Comme ça, on les trouve chez Action, mais là, ils sont moins chers. Donc, j'ai pris un paquet. Ils sont super bons. Et on a pris des condiments, condiments en poudre aux légumes. Et je me demande si c'est pas comme les aromates, vous savez, les épices jaunes. Et c'est un gros paquet, donc on s'est dit qu'on allait tester, tout simplement. Je peux peut-être les ouvrir. Non, j'ai pas de ciseaux ici et il faut un ciseau. Donc voilà, ça ne sent rien, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Au pire, ça fera des nouveaux épices. Je me suis pris deux mogu, un à la fraise et un au litchi. J'adore celui au litchi. Donc je me suis dit que j'allais goûter aussi celui à la fraise. Et voilà, tout simplement, c'est des formats... je trouve pas. C'est des formats... Oh là, 50 ml, 35 ml. Je ne sais pas lire. C'est qu'il est tellement petit que je ne sais pas lire. Mais non, je trouve pas aussi écrit. 32 ml. Voilà.
Donc je vais les mettre au frais, pour qu'ils soient bien frais. Je me suis pris un gobelet en plastique comme ça avec un bec pour boire. J'aime beaucoup boire mes cafés là-dedans. Et comme ça, au moins, quand je dois partir et que j'ai pas fini mon café, je peux transiter aussi pour ou le prendre tout simplement avec. C'est un en plastique parce que ceux en verre sont trop lourds dans mes mains. C'est 500 ml. Quand même. Et j'ai pris des trombones. Donc là, il y a 100 pièces. Parce que j'ai vu des... personne, je crois que j'ai vu ça en short sur YouTube, qui faisait des boucles d'oreilles avec des trombones et des perles. Voilà, donc j'avais envie de tester. Je me suis pris de l'eau de pince pour les cheveux. Oui, en ce moment, je suis dans ma phase accessoires cheveux. Hein, vous verrez ça dans le prochain haul accessoires cheveux. J'ai pris ces deux lots-là. Je les trouve trop belles. Donc, je vais en mettre deux je vais en mettre deux à Manon. Parce qu'elles sont vraiment trop belles. Celles-ci, regardez, elles ont des arabesques et tout ça. Et celle-ci, c'est un espèce de petit nœud. Donc voilà, je les mettrai dans le swap probablement. Ou ouais, dans le swap. Voilà, il n'y a pas à choisir. Et pour terminer, j'ai pris le Gliss de chez Schwarzkopf. Le Gliss Air Repair SOS longueur et pointe sérum anti-fourche. J'espère que ça fonctionnera bien. Alors je vais sentir, j'aime beaucoup les produits Schwarzkopf pour les cheveux. Ils sentent toujours super bon, les produits Schwarzkopf. Donc voilà, on va essayer ça. Là j'ai les pointes un petit peu sèches, mais c'est pas catastrophique hein, par rapport voilà, ils sont pas vraiment fourchus, mais pour prévenir quand même pour les fourches. Mais j'ai hâte de tester ce petit produit. Et voilà ce qui conclut mon haul Jiffy. Donc vous voyez, il n'est pas énorme. Hein. J'y allais pour voir s'il y avait des perles que je n'ai pas. Et au final, il y avait zéro perle. C'était chiant. Mais on a trouvé plein d'autres choses. Principalement de la bouffe quand même, hein, maintenant que je vois ça. Mais voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit haul Jiffy vous aura plu, c'était très rapide, mais voilà, je me suis dit que comme ça faisait vraiment, vraiment, vraiment très longtemps, ça fait plusieurs années que j'y suis pas allée, que j'allais vous partager mes petites trouvailles. Et voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve mercredi en vlog, et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.